parce qu'il a deux aspects. La pierre de jaspe et sardoine. Ici, j'insiste d'abord sur la pierre de jaspe. Son aspect comme alpha. Le corps de Dieu. Mwili ya Mungu. L'image de Elohim. Nsula ya Elohim. Parce que l'aspect oméga, c'est des corps emprêtés. Njou, il est nsula ya kumwisho, ni nsula ya renda ku Kongola. Je lui ai prêté mon corps. Mais ça, c'est son propre corps. Ça, c'est son aspect. Est-ce que vous me suivez bien? Jésus, Yesu, il est le thème principal de toute la Bible, ya Biblia yote mjima, de toute notre vie, ya maisha yetu yote, même nous dans l'église. Attaché mukanisa. Le mot final c'est Jésus. Neno ya mwisho ni Yesu. C'est lui le mot final. Yesu njo neno ya mwisho. C'est pourquoi il est même le dernier mot pour ta vie. Ni kwa maana Yesu njo neno ya mwisho njo ya maisha yako. Amen. Amina. Je suis dans la pierre de jaspe. Ni chingariki paka mwile jibwe ya jaspe. C'est le moment de m'écouter. Njo sa ya mwe kunielewa ni hapa sasa. Dès lors, nous pensons ceci. Wakati tu tunawaza hii. Dès lors, il a été rendu la tête de toutes choses. Wakati tu ile alikuishwa kichwa ya kila kitu. Pour nous. Kwa ajili yetu. Colossiens l'a dit. Kolose alisema ile mambo. Ainsi, il dit, il est la tête. Eko ile kichwa. De toutes choses. Ya kila kitu. Pour nous. Car il a été rendu pour nous qui sommes considérés comme toutes choses, toutes choses, nous sommes à l'intérieur. Nous qui sommes considérés comme toutes choses, vous dites. Qu'en est-il du pécheur? Il a été fait pour être le juge du pécheur. S'il n'accepte pas cela, toutes choses ont été faites par lui. Et pour lui. Et dans toutes choses, Branham dit, nous sommes à l'intérieur. Amen. Amina. Toutes choses. Kila kintu. La Bible a cité. Biblia cita ya. Que ce soit des trônes. Ipate kwa mabiti ya enzi. Kuwingi. Que ce soit des dignités. Ipate kwa mamulaka. Que ce soit des autorités. Ipate kwa mautawala. Que ce soit des dominations. Ipate kuya mawezi. Tout. Biote. A été créé par lui. Biriumbiwa nae. Et pour lui. Na ajili yake. Jésus. Yesu. Frère Branham. Ndugu Branham. Créé par Jésus. Aliumbiwa na Yesu. Pour Jésus. Ndugu Branham aliumbiwa kwa ajili ya Yesu. Parce que on a mis des trônes au pluriel. Donc frère Branham est l'un. Batia mabiti ya enzi ku wengi. Vile ndugu Branham ni kiti ya enzi moja. Même des trônes sont créés par lui. Ata mabiti ya enzi iliumbiwa naye. Et c'est pour lui. Na nibi yake. Dans ta maison, ta chaise ne te dépasse pas. Munyumba yako. Kichi kyako kinakupita. Et tu te mets là où tu veux. Shune kalaka pa kile kichi unapenda kuikala unaenda unepekala.
Et des hommes sont des trônes. Na bantu njoba biti ya enzi. Et Jésus s'assoit sur le trône. Ego nenda kuikala pa biti ya enzi bila napenda. Kila napenda nenda nikala. Nous sommes créés par lui. Turi umbiwa naye. Et pour lui. Tena kwa ajili yake. Il est avant toute chose. Yeye ego kumbele ya kila kintu. Il est la tête de tout. Yeye ego kichwa ya biote. Est-ce que vous me suivez? Eti muko nanifuata muzuri. Jésus, Yesu, est la tête eko kichwa de toutes choses. Ya kila kintu. Et nous nous sommes dans toutes choses. Nashe tuko mule ndani ya kila kintu. Même la voiture que tu pleures. Ata gari que tu pleures. Iloko na ria ile. C'est Jésus qui est la tête. Ni Yesu njo kichwa wa ile gari. Tout ce que tu veux, maison. Biote blo na penda manyumba. Jésus la tête. Yesu njo kichwa yabio. L'argent. Pesa. Jésus la tête. Yesu njo kichwa. Hein? Hein? Il est la tête de toutes choses. Eko kichwa ya bintu biote. Que ce soit des hommes, ipate kwa bantu, que ce soit des objets, ipate kwa bintu, tout a été créé par lui naye, et pour lui. Tena kwa ajili yake. Je peux avancer. Naweza kuendelea. C'est clair. Sibikuaji. Claire, hein? Shibiku waji. 141. La première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Kintu cha kwanza kilikuwa ni kusema Mungu alipendaka yeye mwenyewe ajifunue ku bantu. Il ne pouvait pas le faire. Akuwezaka kuifanya. Attend que le grand Dieu Jéhovah. Savile ule Mungu munene Jéhovah. Qui couvrait tout l'espace. Ule alikuwa anafunika anga yote. Le temps et l'éternité. Wakati na umilele. Il ne le pouvait pas. Akuwezaka kuifanya. Il était trop grand. Alikuwa munene sana. Pour jamais être révélé aux gens. Dieu yakuweza kujifunua kwa watu. Parce que cela serait trop mystérieux. Ile alipashaka kwa ya kisiri kabisa. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé après avoir franchi les cycles de centaines de milliards de trillions et de trillions d'années lumière et après avoir continué dans l'infini dans l'éternité. Il est cette grande créature qui était tout cela et qui l'est toujours. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité car il était un père. Et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. Mwana muntu. C'est la raison pour laquelle Jésus Yesu ne cessait de dire le fils de l'homme. Mwana wa mtu. Vous voyez, munaona? Plusieurs d'entre eux wengi kati yao ne savaient pas abakujuwaka de quoi il parlait. Mais maintenant, lakini apa sasa, ne saisissez-vous? Munayelewa? L'assemblée dit amen. Maskani nasema amina. Voyez, munaona? Il voulait s'exprimer. Aripendaka kujionekanisha. Cela était son dessein. Ile njo alikuyaka mapo yake. Dans son triple grand dessein. Muile mapo yake tatu kubwa. C'était de s'exprimer. Ilikuwa ni kujionesha. S'identifier aux êtres humains de se révéler en Christ. Dani a Christ. Oh my. Hey my. Si tu ne comprends plus ici, apa kama welewe tena, c'est-à-dire tu n'as pas été prédestiné pour croire. Ni kusema au kutayarishiwa kwa ajili ya kuamini. Dieu c'est le grand esprit. Mungu ndio ile roka bambi. Il y avait ni temps
yake wala wakati ni commencement wala mwanzo il était seul ye alikuwa kotuye mwenyewe elle ela ela Elohim Elohim remplissant tout l'espace ariaja fuashiote et on appelle ça l'éternité il est yote il est ndio wanaita umilele il n'est pas Dieu ici hapa ashina ta Mungu hapa ashina Mungu il n'est pas Jéhovah ici hapa ashina ta Jéhovah hapa. Parce que Jéhovah signifie Dieu avec sa famille. Njou Jéhovah manake Mungu pamoja na familia yake. Mais ici il n'a pas de famille. Voilà qui apa ashina na familia. Il est seul. Eko ye mwenyewe. Tout l'espace, tout l'univers c'est lui. Andafasi yote ulimwengu mzima ni yeye. C'est lui seul. Ni paka ye mwenyewe. En lui, ndani yake, il y a des attributs. Muko masifa wala makazi. Être père anapenda kwe baba fils anapenda kwe mwana Saint-Esprit anapenda kwe Roho Mtakatifu anapenda kwe mokozi anapenda kwe mponeshaji anapenda akwe Bwana mwalimu akwe mkombozi akwe masifa yote ilikuwa mule ndani asema hata watoto yake balikuwa mule ndani chee tulikuwa mule ndani sabile mawazo sabile masifa zake ndani yake mule na ndugu Branham anasema anasema katikati ya masifa yake la première attribut sifa ya kwanza le premier attribut ile sifa ya kwanza c'est Jésus ni Yesu. S'il reste comme ça, grand, mystérieux, il ne sera pas connu. Il veut s'exprimer, se révéler. Ça, c'est sa pensée. La révélation, c'est un attribut en Dieu. Dieu voulait se révéler. Mungu alipendaka kudifunua. Mais comment il va le faire? Sasa atadifunua je? Il faut que le fils se manifeste. Inapasha huyu mwana aonekane. C'est pourquoi? Njo kwa mana. Ici au commencement. Huku sasa ni kumwanzo. Ça c'est pas Moïse hein. Njo huku mwanzo haina Musa. Ça c'est Jean. Huku ni Yohana. Parce que Moïse a loupé le commencement. Ndu Musa alilusaka ile mwanzo. Quand Moïse écrit dans la Genèse, wakati Musa anaandika au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mwanzo Mungu aliumbaka mbingu na dunia. Il a le récit incomplet. Pale eko na historia yashipokueneana ya kipande. Parce que le début de Moïse, ndu mwanzo ya Musa, la terre était en forme et vide. Bulongo bulikuwa butupu na bawazi. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mungu kizunguluka yulu ya maji. Moïse, Musa. L'esprit au-dessus des eaux. Ro, yulu ya mai. Mais les eaux là sont venues. Sasa maji ile yo ilitokea wapi? Donc Moïse n'a pas eu le commencement. Maana yake Musa akupataka mwanzo. Il a loupé le commencement. Arilusaka mwanjo. Et c'est Frère Branham qui va nous montrer ce que Moïse a raté. Na ni ndugu Branham ndio atatonesha kile Musa alipusaka. Frère Branham nous amène. Ndugu Branham anatupeleka. Dans avant Genèse chapitre 1 sous le hake ya kwanja et c'est l'éternité umilele cette partie isemu Moïse n'a pas vu Musa shikuyonake. Est-ce que vous me suivez? Et si vous n'avez pas Branham dit, Nanduba Masema, l'aigle qui voit vraiment le commencement, ou le taille, et qu'on a un Muzuri Mwanjo, c'est l'apôtre Jean. Nimtume Yohano. Dans Jean chapitre 1er, Yohano Sulaki a Kwanja, au commencement, ou le Mwanjo, était la parole. Kwaka Neno. Et la parole, Neno, était avec Dieu. Kwaka Pamoja na Mungu. Et la parole, Neno, était Dieu. Ilikuwaka Mungu. Et par la parole, na kupitia neno, yote iliumbiwa. Amen. Amen. Alors? Sasa. Branham?
Branham, il dit je vois. Anasema minaona. Je vois. Minaona. Je vois. Minaona. La scène du commencement. Il est mambo ya kumwanjo. Il dit anasema un petit halo. Kanuru kadoko. De lumière. Kanuru kadoko. Blanche. Keupe. Sacré. Katakatifu. Sort de Elohim. Kanatoka nani ya Elohim. Et c'est la première pensée. Na njoma fikiri ya kwanja ili. Parce que qu'est-ce que la parole? Kwani neno ni nini? La parole. Neno. C'est une pensée. Ni mawazo. Exprimé. Yeye banasema. Amen. Amina. Alors qu'est-ce qui se passe au commencement? Sasa nini napitika na kule mwanjo? La pensée ici. Ii mafikiri ii. Allo. Ii allo. Blanche. Kanuru keupe katakatifu vient ici, kanatoka hapa kanakuja kanazunguluka kanachukua umbo le logos ya logos. C'est ça la parole. Njo neno. C'est ça Jésus. Njo Yesu yu. C'est logos, je le vois. Où le logos mina muona. En train de jouer. Cheza. Devant le trône du Père. Mbele akiti ya enzi ya baba. Comme tout bébé. Savile mtoto mchanga. Peut jouer. Egona cheza cheza. Devant le papa. Mbele ya baba. Le logos. Il est neno logos. C'est cette forme. Ni insula hii. Tout Elohim s'est déversé Njo ici. Elohim yeote anakuwa naripunguza. Et c'est ça l'image de Dieu. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image. Pardon? Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image. Wakati Mungu anasema tufanieni mutu kwa picha yetu. Dieu est une théophanie. Mungu ni théophania. Dieu est le logos. Mungu ni logos. Et je vous ai montré ici que la théophanie. C'est exactement ton corps comme ça est. Théophanie, la même forme, la même image. Na mwili yako, paka vile mwili yako iko. Même physionomie. C'est pas étonnant que si ce que Marie a enfanté c'est cette image. Kama ile Marie arizala ni insula. Alors ni kusema, c'est ça l'image de la théophanie du commencement. Ya théophania ya kumwanjo. Parce que dans paradoxe. Kwani muparadoxi. Bwana me dit. La naissance virginale. Kule kuzalika kwa kibikira. C'est le logos du commencement. Ni ule logos wa kumwanjo. Qui fit faire carrément chair dans le ventre de Marie. Ndio alifanyaka tuma la moyo mwili mtumbo ya Maria. C'est logos. Manake ule logos ule. C'est confiné. Alijibana alijikoleza. La matrice de Marie. Anaingia mtumbo ya Maria. Dans la matrice na de ule mtumbo ya Maria. C'était la parole. Mulikuwa ni neno ndio difanya mwili. Est-ce que vous me suivez très bien? Ukona nifuata mzuri? Et c'est Jésus. Nani Yesu? Sadi Elohim. Maana yake Elohim. Quand il a voulu s'exprimer. Pale alipendaka kuonekana. Il a pris la forme Jésus. Alibeba insula ya Yesu. Pour se révéler. Nju ya kuonekana. Colossiens dit il est l'image du Dieu invisible. Colossiens anasema Yesu njo picha ya ule Mungu washipo kuonekana. Amen. Amina. Et par Jésus, na kupitia Yesu, toutes choses ont été bintu biote biliumbiwa. Et dans toutes les choses, na mule mubintu biote, nous sommes là dedans. Na che tuko mule ndani. Frère Branham est là dedans. Ndugu Branham eko mule ndani. Les prophètes sont là dedans. Nabii eko mule ndani. L'épouse est là dedans. Bibi arusi eko mule ndani. Dans toutes choses, mubintu biote. Est-ce que vous comprenez? Mungu na nielewa. Est-ce que vous comprenez? Eti muko na nielewa. Sasa. C'est à partir de Jésus que son premier dessein ni kwanzia papa Yesu njo sasa ile mapo yake ya kwanja se réalisa ikatimizika se révélé ikafunuliwa se révélé ikafunuliwa il s'est révélé aridifunua ou s'exprimer wala aridionekanisha. Bien. Zuri. L'homme l'a vu. Muntu alimuona. Parce que en lui, yake, les attributs souffraient. I masifa, il kwa na teswa sana. Pour se manifester. Njoo yonekani. C'est là qu'il y a le mystère d'incrédulité.
C'est là que nous trouvons le mystère d'incrédulité. Dieu qui réveille le serpent. Il dit réveille-toi, mon fils ne veut pas tomber. Mon fils ne veut pas tomber. Voilà, l'homme est absent, va séduire la femme. Angaria mume ashinako. Wewe ndo kamtongoze nyoka. Eh, kamtongoze muke. Dieu lui-même. Mungu yemunyewe ete alikuwaka dans la chute. Mukule kuanguka. Parce que kwa mtu njo ndani yake Mungu les attributs masifa brille. Ilikuwa kiwaka de semaine. Ilikuwa napenda kuoneka. Rien n'arrive au hasard. Hakuna kintu kinarifikiria kwa bapi. Comment il va être rédempteur? Namna gani atakuwa mukombozi? S'il n'y a pas quelqu'un, kama kuna mungu, qui a perdu l'héritage, ula alishapotesha urithi. Comment il va être sauvé? Namna gani atakuwa mokozi? S'il n'y a personne, kama kuna mungu, qui a perdu, ula alishapotea. Comment il va être guérisseur? Namna atakuwa mponeshaji? S'il n'y a personne, kama kuna mtu, qui est malade, ula naumwa. Alléluia. Amina. Alors Dieu a tout fait. Ni pale Mungu alifanya byote. Pour que l'homme tombe. Njutu muntu anguke. Dieu a tout fait. Mungu alifanya byote. Mes amis, il n'y a rien de hasard. Rafiki yangu hakuna bitu ya kubahatisha. Lorsque Dieu a un plan. Mungu yuko na mapo. Lorsque Dieu a un plan. Wakati Mungu yuko na mapo. Il autorise des choses bizarres. Ataruhusu bitu vya namna nyingine vya ovyo. Il permet des choses bizarres. Parce qu'il a un plan. Njou eko na mapo fulani. Il peut dire alléluia. Sema alléluia. Dieu, Mungu, a tout fait. Arifanyaka biote. Pour que l'homme tombe. Njou muntu anguke. Pour que lui, njou yeye, soit exprimé. Aonekane. Comme sauveur. Savile mokozi. Comme guérisseur. Savile muponeshaji. Comme rédempteur. Savile mkombozi. Et son expression. Konekana kwake. C'est Jésus. Ni Yesu. Est-ce que vous me suivez? Timuku nanifuata. Dans tout ça, Dieu aime seulement la gloire. Mubiote bile, Mungu yanapenda paka akwe na utukufu. Tout ce qu'il a cherché, c'est la gloire. La faiblesse de Dieu, c'est la gloire. Buzaifu bwa Mungu ni utukufu. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est pourquoi il dit, je suis un Dieu jaloux. Ni kwa maana anasema mie niko Mungu wa bwivu. Tu ne donneras pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Utukufu yangu hautaipatia yo mtu mwingine. Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de ma face. Hautakuwa na Mungu mwingine sipokuwa mie. Et ma face. Na sura yangu. C'est l'homme de Galilée. Ni insula ya mtu wa Galilea. C'est Jésus de Nazareth. Ni Yesu wa Nazareti. L'expression de Dieu. Kule kuonekana kwa quand Mungu. Dieu s'est révélé. Wakati Mungu anajifunua. Quand Dieu s'est montré. Wakati Mungu anajionesha. Est-ce que jusque là ça va? Kufikia paka hapa Mungu ananielewa. Est-ce que ça va? Eti Mungu ananielewa. Il avait combien de dessins? Alikuwa na mapo ngapi? Tatu. Premier dessin s'est révélé. Ya kwanza mapo inafunuliwa. S'exprimer. Inajionekanisha. Ah, il voulait s'exprimer. Alipenda kujionekanisha. Il voulait se révéler. Alipenda kujifunua. Et il a fait ça en Jésus. Na anafanya ile mambo ndani ya Yesu. Est-ce que c'est clair? Eti unanielewa? Jésus le rédempteur. Yesu ni mkombozi. Attaché à la croix. Mwenye kutiliwa kumsalaba kwa ajili yangu. Jésus le guérisseur. Yesu mponeshaji. Le seul qui guérit c'est Jésus. Mmoja ule anaponeshaka ni paka Yesu. Et quand vous priez, donnez d'abord à Dieu la gloire. Na wakati kunaomba, umupatie mbele Mungu utukufu. Quand vous l'élevez, il devient faible. Wakati unamupandisha sana, anakuwa muzaifu. En ce moment-là, demandez ce que tu veux. Pale sasa, umuombe kiochote kilo napenda. Parce que tu l'as tellement élevé. Ndu ulisha mupandisha sana, sana, sana zaidi.
s'est exprimé à l'humanité par Jésus. Jésus, Yesu, c'est l'expression de Dieu à l'humanité. Ni kuonekana kwa Mungu mbele ya ulimwengu. Toi qui es dans une difficulté, wewe uliko matatizo, Dieu a laissé ça pour qu'il soit glorifié. Mungu aliacha vile nju atukuziwe. C'est lui qui permet tout. Ni yeye Mungu ndio anaruhusu mambo yote ifike. Et quand il permet, il a la solution. Na wakati anaruhusu mambo ifike, eko na suluhisho. Ah, j'aime ça. Napendaka hii. Alors Dieu a tout fait. Ah, Mungu alifanya biote. Alors il a tout fait. Alifanya biote kabisa. Pour que l'homme tombe. Ju muntu anguke munzambi. Afin que lui soit connu. Ivi yeye Mungu ajulikane. Amen. Amina. Est-ce que nous le connaissons? Eti tunamjua? Oui, nous le connaissons. Ndio tunamjua. Il est mort à la croix. Alikufa kwa msalaba. Pour nos péchés. Kwa ajili ya manzambi yetu. Il est notre sauveur. Yeye ndio mokozi wetu. Il est notre guérisseur. Yeye ndio mponeshaji wetu. Il est notre rédempteur. Yeye ndio mkombozi wetu. Le Dieu invisible. Yeye ndio le Mungu asionekana. Il s'est rendu visible. Akajionekanisha. Par Jésus. Kupitia Yesu. Est-ce que ça va? Eti muko na nielewa? Eti muko na nielewa? Omega. Omega. Nalomba vite da Omega. Tushikimbiririe mbio mu Omega. Il faut que les gens saisissent Alpha très bien. Inapasha bantu baelewe mbele Alpha muzuri sana. Et Frère Branham me dit. Nanduba manasema. C'est ça son aspect. Injo nsula yake. L'aspect alpha, c'est son aspect. Sula yakumwanjo, njon sula yake. Est-ce que ça va? Eti mukuna nielewa. Est-ce que vous comprenez? Eti biko mukuna bielewa. Continuons la lecture. Tuendele kumbina usomi. Et deuxième dessin, c'est quoi? Mapo ya piri ni nini? Deuxièmement, Kiapiri, avoir la prééminence kuya na utawala dans son corps ndani ya ile mwili yake de croyant ya muamini qui est son épouse ule anakuwa bibi harusi wake afin qu'il puisse vivre ili apate kuishi dans les gens ndani ya bantu. Ça c'est un dessein éternel. Ini mapo ya milele. Ce n'était pas seulement se révéler à Jésus et arrêter là. Aikwaka ta kudifunua ndani ya Yesu na kushimamishia pale. Il voulait encore. Alikuwa tena anapenda prendre la prééminence. Kubeba utawala wa kwanza dans son église. Ndani ya kanisa yake. Ça dit vivre dans les gens. Maana yake aishi ndani ya bantu. Hein? Hmm? Qu'il domine son église, qu'il vive là. Atawale kanisa yake aishi mule ndani. Dans les gens. Ndani ya bantu. C'était une autre pensée. Ile nayo ilikuwa mafikiri yake nyingine. Donc la pensée de Dieu. Maana yake mafikiri ya Mungu. N'était pas seulement de se montrer au monde par Jésus. Aikwaka tu. Les gens connaissent Jésus. Kwa bantu kupitia Yesu. Jésus. Na bantu wanamjua Yesu. 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 Kisha anashimamishia pa. Non. Apana. Après avoir se révélé par Jésus, Dieu voulait continuer. Mungu alipendaka kuendelesha. Avoir la prééminence. Akwena utawala ya kwanza. Dans son église. Ndani ya kanisa yake. C'est-à-dire. Mana yake. Vivre dans les gens. Aishi ndani ya bantu. Est-ce que ça aussi tu saisis? Est-ce que tu comprends ça aussi? Et ina yona yelewa. Dieu voulait vivre. Mungu alipendaka kuishi ndani ya bantu. On voit quelqu'un. Banaona muntu. On dit Dieu est là. Banasema Mungu eko ndani ya huyu muntu. On voit quelqu'un, on dit voilà Dieu. Banaona muntu banasema Mungu ye ule. C'était aussi son plan. Ile nayo ilikuwa kama mapo yake. Et troisièmement, na kiatatu, il voulait rétablir le royaume.
alipenda kurudisha ufalme dans sa position normale ndani ya fasi yake ya usawa où il a été perdu par Adam et Eve. Ile fasi ile balipoteza kwa Adamu na Eva. Et comment il va rétablir le royaume? Atarudisha ile ufalme namna kani? À la fin. Ni kumwisho ndio atarudisha ile ufalme. Parce que dit-on toujours qu'Adam a perdu un livre. C'était quel livre? De géographie ou de histoire? Kitabu kani? Kia géo au kia histoire au kia maths. C'était la divinité. Ilikuwaka ni bumungu njo bule Adam alipoteshaka. Amen. Amina. Bon. Nous comprenons déjà qu'est-ce que Dieu voulait. Hapa tunaelewa kile Mungu alikuwa anapenda. Abraham, Nandu Branham va appeler tout ça la révélation de Dieu. Ataita biote bila taita ufunuo wa Mungu. Alors, il se révèle d'abord par Jésus. Sasa anadifunua kwanja kupitia Yesu. Et après il va se révéler dans son église. Kisha atadifunua ndani ya kanisa yake. Donnez-moi quelques 10 minutes, je vais terminer. Munipati hata madakika 10 mimi tamaliza. C'est des choses très importantes. Je prends bintu bia lazima sana hivi. Je prends la prédication et tu ne le sais pas. Na chukua mahubiri na auijue. Peut-être c'est par là qu'on va clôturer. Sa ingine njolo apale tutamalizia. Il explique Colossiens. Anafasilia wa Kolosea. Paragraphe 56. Kifungo yake 56. Tenez. Mushikeni. Un petit instant. Wakati kidogo. Vous n'êtes pas pressé. Amuna haraka. Prenons Colossiens. Tuchukweni wa Kolosea. Un passage de l'écriture m'est venu à l'esprit. Kifungo moja andiko nenikuya mwakili. L'épître aux Colossiens. Barua kwa wa Kolosea. C'est au chapitre 1. Nikusula kia kwanja. Je vais devoir vérifier cela. Minta chunguza ili. Tout de suite. Hapa karibu tu hapa. Comme je pense, voilà. Commençons verset 9. Tuanza kumstari yake ya 9. C'est Paul. Ni Paulo. Qui parle de Christ aux Colossiens. Njo anasema mambo ya Kristo kwa wa Kolosea. De qui il était. Wa, kile alikuwaka. C'est pour cela que nous aussi, il a lu. Mana, si pia, anasema, il a lu tout ce qu'on avait lu là. Anasoma biote vile tulisoma. Le premier né de toute la création. Mzaliwa wa kwanza kati ya maumbile yote. Amen. Amina. Le quoi? Nani? Le premier né de toute la création. Mzaliwa wa kwanza wa maumbile yote. Qu'il s'agisse d'un ange. Ipate kwa ba malaika. Qu'il s'agisse de n'importe quoi. Ipate kwa izuru nini. Il est le premier né de toute la création. Eko muzaliwa wa kwanza wa maumbile yote. Il est avant toutes choses. Eko mbele ya kila kitu. Et toutes choses na kila kitu existe par lui. Kikwako kupitia yeye. Écoutez. Sikieni. Que ça soit père. Ipate kwa baba. Fils, Mwana, Saint-Esprit, Om Takatifu, quoi que ce soit, kwa nini, lui il est avant toutes choses. Yeye eko mbele ya kila kitu. C'est un peu fort, hein? Shinikia nguvu iki sasa. Donc, Jésus, manake Yesu, le Logos, uyu Logos, il est avant toutes choses. Eko mbele ya kila kitu. Il est avant le Père. Eko mbele ya Baba. Avant le Fils. Mbele ya Mwana. Avant le Saint-Esprit. Eko mbele ya Rom Takatifu. Qui peut dire amen? Sema amina. Jésus. Yesu. Il est avant toutes choses. Eko mbele ya kila kitu. Il est le premier en tout. Eko wa kwanza mubiote. Que ça soit un ange. Ipate kwa kuba malaika. Que ça soit qui que ce soit. Ipate kwa izuru nani. Même le père. Ata baba. Le fils. Mwana. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Lui il est avant. Yeye eko mbele. Et quand nous retournons dans notre petit tableau ici. Na wakati tunarudia mwi picha yetu iko hapa. Au commencement. Huku mwanjo. C'est le halo de lumière. Ni i kipande ya nuru. Une petite lumière blanche sacrée. Nuru kidoko mweupe takatifu. Qui se détache de l'Elohim. Ndio inatoka ndani ya Elohim. Ça devient une théophanie. Itakuwa théophania. Le logos. Logosi. Ici il n'y a pas de père. Hapa baba shina hapo. Il n'y a pas de père. Baba ana hapo. C'est lui tout. Ni paka yeye njoe kwapo. Parce
que toute l'éternité, c'est un verse dans le logos. Il n'a rien créé jusque là. Il n'y a aucun ange. Il n'y a pas Adam. Il n'y a rien. Donc Jésus le logos. Yes, logos. Il est même avant le Père. Et quoi combele ya baba. Avant que la tribu du Père soit manifestée, lui il est là. Mbele il est kazi ya baba ikuyeko. Ye Yesu alikuyako. Parce que Dieu se manifeste comme Père. Ndio Mungu anajionekanisha sa baba. Avec Moïse. Mbele ya Musa. Avec Moïse. Pamoja na Musa. Comme fils. Anajionekanisha kama mwana. Avec Jésus de Nazareth. Pamoja na ule Yesu wa Nazareth. Ici il n'est pas Jésus de Nazareth. Hapa Yesu ashina Yesu wa Nazareth. Non. Hapana. Il n'y a pas Galilée ici. Hapa hakuna Galilea. Ici c'est Jésus le Père. Hapa ni Yesu ule baba. Je suis venu du Père. Minitoka ku baba. Je retourne au Père. Minarudia ku baba. Je viens de la paternité. Minatoka ku baba. Je retourne là. Minarudia ku baba. Il est Père avec Moïse. Eko baba na Musa. Il est fils avec les Galiléens. Eko mwana na ule ku Galilea. Et il est Saint-Esprit avec Branham. Na eko Roho Mtakatifu na Branham. Ça, ce sont les trois leaders des trois dispensations. Père, Fils, Saint-Esprit. Baba, Mwana, Rome, Takatifu. Moïse, Jésus, Branham. Moussa, Yesu, Branham. Il faut connaître les dispensations. Il n'a pas chamoujoué bizazi. Avec les leaders de chaque na dispensation. Kila mongozi wa kila kizazi. Premier exode, deuxième exode. Troisième exode. Na kutoka kwa tatu. Amen. Amina. Amen. Amina. Il est avant le Père. Ekombele ya baba. Il est avant le Fils. Ekombele ya mwana. Il est avant le Saint-Esprit. Ekombele ya Roho Mtakatifu. Et c'est ce Jésus Logos. Na ni uyu Yesu Logos. Qui fut fait carrément chair dans le ventre de Marie. Njo aridifanyaka malamo ya tu mwili muntumbu ya Maria. Et comme je te l'ai dit dans l'autre enseignement, au ciel nous allons nous connaître. Au millénium on va se connaître. À l'éternité on va se connaître. Parce que ta théophanie c'est exactement ce que je te dis. C'est pourquoi les gens qui brûlent leur corps en utilisant les cosmétiques commettent de graves erreurs. Parce que si tu es noir, ta théophanie sera noire. Bego nafanya nkosa kubwa. Kama uko mweushi, teofania yako itakuwa mweushi, haitakuwa ya kutakata sasa hivi kuna takata. Alors ne nous donnez pas la confusion. Ah, usitupatie mvruko. Ici nous te voyons blanc. Hapa tunakuona mzungu. Là on te verra noir. Ule tunakuona chikusi. On va se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, tutajiuliza nini napitikana. Restez comme Dieu vous a créé. Bakia vile Mungu alikuumba. Il est avant le Père. Ekombele ya baba. Avant le Fils. Mbele ya mwana. Avant le Saint. Mbele ya Roho Mtakatifu. Je termine. Mimi na maliza. 57. Amsini na saba. 57, 58. Amsini na saba ufika amsini na nane. Avant toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Mbele ya bintu byote biko mbinguni babudongo. Les visibles, les invisibles. Tout. Biote. Ce fils de Dieu. Uyu mwana wa Mungu. Était avant toutes choses. Arikuyaka kombele ya bintu byote. N'est-ce pas vrai? Shini bya kweri. Que ce soit des trônes. Ipate kwa mabiti ya enzi. Ça existait après lui. Birikuyaka ko kisha yeye. Des dominations. Mautawala. Quoi que ce soit. Ipate kwa nini. Des trônes célestes. Mabiti ya enzi ya kumbini. Des royaumes. Maufalme. Quoi que ce soit. Ipate kwa nini. Dans les glorieuses dimensions. Mumacheo surnaturel. Ya kiro. De l'au-delà. Ya ule ngambu dans ya pili. Les éternités. Muma umilele. Où que ce fut. Ipate kwa wapi. Quoi que ce fut. Ipate kwa nini. Des anges.
ba malaika. Il même des dieux. Anasema ata ba miungu. Quoi que se fit. Ipate kwa nini. Il est avant toute chose. Ye kombele ya kila kitu. Branham dit amen. Branham yeye mwenyewe anasema amina. Ne pouvez-vous pas le voir? Amwezi ko kumuona. Il était avant toutes choses. Alikuwa kako mbele ya kila kitu. Elles ont été créées par lui. Na bintu biliumbiwa kupitia yeye. Il est avant toutes choses. Eko mbele ya kila kitu. Et toutes choses subsistent par lui. Na kila kitu iko kupitia yeye. Rien ne peut faire marcher cela. Hakuna kitu kinaweza kuendesha ile en dehors de lui. Mtosha kwa yeye. Que ce soit Dieu le Père. Ipate kwa Mungu Baba. Dieu le Saint-Esprit. Mungu Roho Mtakatifu. Que ce soit des anges. Ipate kwa ba malaika. Des dominations. Ma utawala. Des autorités. Ma milaka. Des dignités. Ma kwa que ce soit. Ipate kwa nani. Toutes choses. Bintu biote. Marche par lui. Biku natembea kupitia yeye. Il est la tête du corps de l'église. Yeye ndio ile kichwa ya ile mwili ya kanisa. C'est grave. Enia matata hii. Tout fonctionne et marche même par lui. Biote biku natumika na biku binendeka kupitia paka yeye. Que ce soit Dieu le Père. Ipate kwa Mungu Baba. Par lui. Biku natumika kupitia yeye. Hein? Hmm? C'est ça la divinité. C'est pourquoi Jésus a dit. Parce que nous on adore le Père, n'est-ce pas? On n'adore pas le Fils ni un ange. Ni un prophète. Même pas le trône. Nous adorons le Père. Et Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez au Père. En passant par moi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous le demandez au Père. Mais en mon nom. Cela vous sera accordé. Alors l'erreur grave. C'est adorer le Père. En écartant Jésus. Vous n'aurez rien. Autapataka kintu. Parce que le Père Njou Baba fonctionne et qu'on a tumika par Jésus. Kupitia Yesu. Est-ce que vous comprenez? Uko naelewa. C'est ça l'établissement dans le royaume. Njou kutumika mule mufalme vile mwiki. C'est comme ça que ça fonctionne. Njou vile mufalme muna tumika. On n'adore pas le Fils. Aba mwabudu mwana. On adore le Père. Beko na budu Baba. Mais par le Fils. Baba beko na mwabudu kupitia mwana. C'est lui l'image du Dieu invisible. Ye mwana njo picha ya ule Mungu ashonekanake. Il est avant toute chose. Eko mbele ya kila kintu. C'est pourquoi Jésus dépasse tout le monde. Njo pale Yesu anapita bantu. Beauté. Jésus c'est Dieu. Yesu njo Mungu. Il tient les sept étoiles dans sa main droite. Mkono yake ya kulia eko na manyota saba. De Paul jusqu'à William Branham. Kwanza kwa Paulo kufika pa kwa William Branham. C'est dans la main de Jésus. Ile manyota yote eko mkono ya Yesu. Jésus est le supérieur. Yesu njo wa yulu yabo. Il est le fonctionnement de la divinité. Ye njo unatumikisha bumungu. Le fonctionnement de la divinité. Kutumika kwa bumungu. C'est Jésus. Ni Yesu. Tu ne peux pas adorer Dieu. Auwezi kumwabudu Mungu. En dehors de Jésus. Mukumutosha kwa Yesu. Jésus est Dieu. Yesu njo Mungu. Est-ce que vous comprenez? Eti unaelewa. Et c'est son corps. Na ni mwili yake. C'est sa forme. Ni sula yake. La forme de Dieu. Sula ya Mungu. Et nous serons avec lui comme ça à l'éternité. Na ye Mungu tutakuwa naye na insula mu milele. C'est l'image de Dieu. John sula ya Mungu. Cela ne peut pas être anéanti. Insula amwezi kuitosha kuivunja pana. C'est Dieu. Ni Mungu. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant notre problème. Sasa mambo yetu dans les chandeliers ni mule ndani ya kinara il a l'aspect et kwa mona ile nsula de jaspe ya jaspi et sardoine na ya sardoine. C'est un tout petit peu comme l'image de la maman de
Johnny Carter. Ya mama yake ya Johnny Carter. Qui chassait l'imposteur. Ule alikwenda kufukuza ule mtu asema wewe ndio. Elle a appelé l'aide de Dieu. Nakaita msaada ya Mungu. Et Dieu est venu l'aider. Na Mungu anayakuwa kumsaidia. Elle a vu un homme dans le mur. Aliona mtu mkibambashi. C'était Jésus. Ilikuwa kani Yesu. Avec l'aspect. Na nsula. De jaspe. Ya jaspe. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Mais arrivé un certain moment, wakati moja hivi, Branham avec la Bible na Biblia muribeka yake. Est-ce que c'est deux personnes? Eti bale bantu bawiri. Non. Ni bantu bawiri hapana. Ce n'est pas deux personnes. Aina bantu bawiri. La même personne. Ni paka mtu moya. Avec deux aspects. Na mansula mbili. L'aspect de Jaspe. Sula ya Jaspe. Et Sardouane. Na sula ya Sardouane. Ah, venez vendredi. Mkwe mkazi tano. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tu ne me comprends plus ici. Kama apa unyelewe tena. Alors toi tu ne comprendras pas. Autelewaka tena. On va se tenir debout. Tutasimama bwima.